Bonjour, c'est Paula de chez TV. Cette semaine, on parle avec un groupe communautaire qui demande le service de dialyse à Chéticamp. Présentement, les patients qui ont besoin du traitement doivent voyager jusqu'à Sydney ou Inverness. Selon le gouvernement, il n'y a pas assez de patients ici pour ouvrir un centre de dialyse. Mais pour ceux qui vivent en région rurale, ce n'est pas une question de chiffres, mais de qualité de vie. Voici mon reportage. Les Suettes, 20 forts caractéristiques de notre région au nord du Cap-Breton, sont particulièrement dangereux sur la route. Pas facile de voyager au moins 45 minutes pour se rendre à l'unité d'hémodialyse d'Inverness trois fois par semaine. Selon Janet Anksurowski, qui a commencé son traitement à Sydney avant de trouver la place à Inverness, c'est un effort énorme qui marque le début d'une journée organisée autour du traitement. C'est 4 heures, mais c'est peut-être plus long que 4 heures, parce que si la machine elle arrête pour un problème, il faut recommencer le temps qu'ils ont arrêté pour commencer. Fait que des fois, c'est 4 heures, 4 heures et quart. Puis après ça, c'est le voyagement qui est très long aussi. S'il y a du trafic, c'est dur. Puis là, t'as faim, parce que moi, je mange rien durant la journée. Fait que quand j'arrive le soir, j'ai faim. Parce qu'on n'est pas conseillé de manger avant le dialyse, parce que ça peut nous faire vomir. Puis on a des pertes, moi, des fois, je perds conscience. Mon blood pressure descend trop bas, puis je perds conscience. Avec les risques d'évanouissement, la conduite n'est pas idéale. À Chéticamp, il y a le service de taxi Lacabi qui est payé. Pour diminuer les coûts, c'est une amie de Janet qui l'amène à l'hôpital. Mais il y en a qui font le voyage tout seul. L'hiver, c'est très épeurant quand il y a des suettes, des tempêtes de neige. Il faut y aller. On n'a pas le choix si notre vie dépend de ça. Je me ferme les yeux la plupart du temps. Selon Darlene Doucet, qui accompagnait son père en ville pour les traitements et qui mène le groupe demandant les services à Chéticamp, l'aspect linguistique est aussi très important. Moi, je considère mon père parfaitement bilingue, aussi confortable en anglais qu'en français. Mais lorsqu'il a tombé malade, il a tombé à sa première langue. Puis on allait au médecin à Sydney, puis le médecin demandait des questions, puis il répondait. Je m'apercevais qu'il n'avait pas compris la question pendant sa réponse. Puis là, j'ai demandé la question en français. Ah, sa réponse changeait. Dans le soin de santé, c'est important de bien comprendre les questions et bien comprendre la réponse, parce que ça change les soins. Fait qu'à Chéticamp, on devrait avoir des services en français, particulièrement dans le côté de santé, parce que c'est essentiel. Une porte-parole du département de santé et bien-être de la Nouvelle-Écosse dit qu'un centre de dialyse n'est pas présentement envisagé pour Chéticamp, mais que les patients ont accès au traitement à la maison. Le patient dialysé et ou un proche peut suivre une formation d'une semaine pour la dialyse péritonéale ou 6 semaines pour l'hémodialyse avant de recevoir l'équipement à la maison. Le gouvernement couvre aussi le coût du système d'eau et d'électricité nécessaire pour faire fonctionner la machine. Mais d'après ceux qui ont fait l'expérience, ce n'est pas la bonne solution, surtout avec le risque d'infection et le manque de garde-malade pour assister le patient. La mère de Sylvia Lelièvre recevait le traitement de dialyse péritonéale à la maison vers la fin des années 80. Selon les proches des patients, le risque d'infection et le manque de support médical font que le service à la maison a peu changé depuis. Nous autres, avec les 4 de nous autres impliqués, c'était pas facile, mais c'était quand même faisable. Mais je voudrais pas voir quelqu'un obligé de faire un tel système parce que c'est presque inhumain. C'est vraiment exigeant. C'est une très, très grande responsabilité de la part de toute la famille. Pour elle-même, c'était sa sauvation, mais pour nous, c'était presque notre destruction. Parce que c'était rigide, c'était nécessaire, et puis on tenait sa vie dans nos mains. C'était presque impossible de pouvoir comprendre la responsabilité qui est attachée à tout ça. Le gouvernement installe le centre de dialyse avec un minimum de 6 stations qui pourraient traiter entre 24 et 36 personnes. Dernièrement, le nombre de personnes qui ont besoin du service à Chéticamp et alentour varie entre 2 et 4. Ce sont des chiffres qui peuvent augmenter avec le vieillissement de la population. Mais selon David Landry, directeur du programme rénal de santé Nouvelle-Écosse, il faudrait plus de patients et de personnel pour faire un tel financement. We typically build in sixes and twelves going forward. Way back in the past, they had done some smaller units, but to that point, during intermittent times where there may be patients or not patients,
sometimes we had trained staff. We've only had one or two examples in Nova Scotia in the past, and we would have staff trained and no patients, or we'd have patients requiring a service in the community and we couldn't find staff or keep them trained when there were vacancies that came up. So it was an intermittent service. So of course, as a program, we want to feel confident as much as we can that we can provide an ongoing service if you're going to initiate treatment. Le comité communautaire propose au gouvernement d'installer moins de machines si nécessaire et de financer le système d'eau d'un centre de santé au lieu de financer le système d'eau de chaque individu qui recevrait le traitement à la maison. Surtout parce qu'il y a déjà un hôpital et une maison de retraite à Chéticamp qui offrent aussi des soins aux communautés voisines comme Magret et Pleasant Bay. Selon le groupe qui demande des services de dialyse à Chéticamp, l'expansion du foyer Perficette serait une bonne opportunité pour y installer des stations de traitement. Mais le gouvernement provincial n'a toujours pas accepté la demande de fonds pour faire les agrandissements qui a été présentée en 2015. Vous pouvez nous écrire au chne.television@gmail.com. Merci d'avoir regardé!